Des gamins sortis de nulle part. Vous allez demander à qui? Vous allez demander à qui que les partis politiques n'ont qu'à envoyer leur agrément. Partagez le live là. Vous savez, quand je porte, remarquez bien, quand je porte ma chemise là, ma chemise de quatre poches là, quand je porte ça là, le jour là, c'est du feu. Quand je porte ma chemise là, il faut remarquer ça, hein. Quand je porte ma chemise là, le jour là, je mets du feu. Parce que on a trop de dossiers. On s'abstient même de révéler quelques trucs pour le bien de la nation. Le bien de la nation. Où vous allez parler, dire à qui ici que les gens n'ont qu'à envoyer, hein, le justificatif d'agrément. Il faut dire à votre petit là-bas, toi Mori Kondé, agité là. Hein? Toi Mori Kondé, agité là. Il faut dire à ton petit là-bas là. Quel est l'agrément qu'il a envoyé au palais, mon médecin? Il était où quand on construisait le palais là? Le palais là, ça s'est construit même sur la terre de nos ancêtres. C'est là-bas qu'on appelait plage Pérol. C'est là-bas qu'on appelait plage Pérol. Voilà. Nous, c'est la terre de nos ancêtres. Quel est l'agrément qui envoie Jordan dans le palais là? Vous êtes... Mais non, mais bifouma, mon emou fouma, go. Partagez le live. Bifouma, mon emou fouma, ni fala mané. Des bandes de gamins qui viennent prendre la Guinée comme si c'est leur domicile. Ou bien c'est comme si c'est leur femme. Vous venez vous épouser votre femme et vous la traitez d'esclave. Hein? Vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? Qu'aux licences d'agrément, licence d'agrément, licence d'agrément. Bande de gawa agité. Non, mais mon enara, nous malatagi. Tout ça là, le peuple n'est pas uni. Tout ça là, ce peuple là n'est pas uni. On vit dans l'hypocrisie, on vit dans la haine. On vit dans l'hypocrisie, la haine. C'est pourquoi on est toujours en arrière. Chez les autres ici, c'est le ramadan. Les gens se s'épaulent. Demandez à ceux qui viennent ici, parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui viennent faire les affaires. Les têtes de mort, tu pars, tu dégages de ma page à vie. Partagez le live. Tu viens, tu mets tête de mort sur mon live, tu dégages direct. J'ai le téléphone prêt. Tu mets tête de mort, tu te dégages à vie. Parce que vous aimez, mais vous ne laissez pas. Vous n'aimez pas, vous ne laissez pas. Vous n'aimez pas mes vérités là. Mais vous ne quittez pas sur ma page là. C'est après, c'est pour venir prendre ta main sale là. Tu viens, tu vas mettre tête de mort sur mon live. Tu n'aimes pas mes vérités. Mais tu es là toujours. Tu veux écouter ce que j'ai à dire. Tu veux voir ce que j'ai à dire. Parce que tu sais ce que je dis, c'est la vérité. Venez souffrir. Mais si tu mets tête de mort, tu peux t'asseoir, tu regardes. Tu souffres en coulisses. Sans que personne ne sache que tu souffres. Mais si ton tempérament te dépasse, tu mets tête de mort, tu dégages de ma page à vie. Et puis moi, quand je bloque, je ne débloque plus jamais. Quand je bloque, moi, je ne débloque plus jamais. Tu vas continuer à souffrir, à créer des pages, à créer des comptes pour venir écouter encore mes vérités. Mori Kondé, tu étais où quand on construisait le palais des nations là? Tu étais où quand nous, nos parents, oui, faisaient tout pour que vous vous quittiez au village, venir vous asseoir là-bas, co-agrément des partis politiques, des coalitions politiques. Quel est l'agrément qui a donné Mamadi de faire coup d'État? Où est l'agrément là? Omuyalangi, Otamba Mereto Luguna, on fait là-bas. Vous pensez que vous êtes béni plus que qui? Omuyalangi. Womuyalangri, regardez-moi des conneries comme ça là. Hein? Regardez-moi des conneries comme ça. Co-agrément des partis politiques. Bababi, armée guinéenne, Omoa responsabilité Tongo. Omoa responsabilité Tongo. Des gamins et puis des Dougoula, Kameremba sont en train de faire du n'importe quoi dans notre pays. Ils sont en train de faire du n'importe quoi. Des haineux, des diviseurs. Combien de militaires qui sont en prison en République de Guinée depuis leur avènement là?
des militaires qui n'ont rien fait. Parce que ce sont des Gawa, des Kamerimba, des peureux. Ils voient les ennemis partout. Quand tu es peul, on dit, lui là, il faut le mettre en prison. Il menace notre pouvoir. Quand tu es sous, il dit là, lui là, il faut le mettre au cachot. Il menace notre pouvoir. Forestier est parti par là. Pour co-agrément des partis. Où y a l'angri? Est-ce que vous y a l'angri? C'est NRD. Mon nom a bon, ma wobe. La Guinée. Muntambembe na ngwaina menira. On va vous montrer ça. Matin, midi, soir. On va vous montrer ça. Bande de Kamerimba, des gens qui ne connaissent même pas les bons trucs. Vous venez au pouvoir par Alpha Condé à cause des magouilles. Tous là, les Mori Condé là. Toi, Mori Condé. Vous êtes venus aux affaires par magouille. On sait tous comment Alpha Condé est devenu président. C'est par magouille. C'est pourquoi vous vous permettez aujourd'hui de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi, parce que vous avez eu tout par magouille. Et votre petit Mamadou qui est là, qui vient au pouvoir pour dire que, qu'un gréman est parti politique, parce que vous avez cherché partout, vous n'avez rien trouvé. Affaire de Krief là. Si vous savez arrêter quelqu'un, vous savez convoquer quelqu'un, allez-y arrêter votre mentor, votre main noire. Lance à la. Si vous savez arrêter quelqu'un, allez-y arrêter Lansana Kouyaté. Je vais faire sortir à partir de demain des dossiers impliquant Lansana Kouyaté dans des gros détournements. Quand il était premier ministre, il a quitté en quelle année? C'était en 2007, non? Quelques mois. Oui, c'était en 2007. Quelques mois, ou presque. Ah, ce n'est même pas une année. Il était devenu premier ministre quand le feu général Lansana Kouyaté était gravement malade. Conte ne pouvait même pas se rendre compte de ce qu'il faisait en ce moment. Détournement, des gros détournements. Notre trésor public, fonds extérieurs, c'est Kouyaté qui a détourné ça. Lansana Kouyaté, votre boss là, c'est lui qui a détourné ça. Depuis au temps de Sékou Touré, l'argent de la Guinée qui était à la banque UBS, la banque suisse, c'est Kouyaté qui a magouillé, il a déplacé l'argent de tous les Guinéens. Tous les Guinéens, il a pris ça à l'UBS, Banque Suisse, envoyé ça à la Société Générale en France. Des milliards, des lingots d'or. Vous savez c'est quoi fonds extérieurs? Vous savez c'est quoi fonds extérieurs? Des petits Mamadou assis comme ça là, les Mori Kondé, on va créer affaire de Krievko, on va... Tous les gens que vous voyez là, c'est par foutaise, botter à bas. Si vous avez arrêté quelqu'un, convoqué quelqu'un, allez-y convoquer Kouyaté. Fonds extérieurs de la Guinée, trésor, nos lingots d'or qui étaient depuis au temps de Sékou Touré. Imaginez, depuis au temps de Sékou Touré jusqu'en 2007, le gars il a dilapidé tout ça là. Je vais vous mettre les papiers, les documents demain, Inch'Allah. Il a dilapidé, transféré notre argent. Il a envoyé ça à la Société Générale de banque, la Banque Française. Moi, je connais bien la France. J'ai vécu là-bas. Il a acheté une maison. Une maison sur la rue Madrid. Ceux qui ne connaissent pas la rue Madrid, ce n'est pas loin de la gare Saint-Lazare. Gare Saint-Lazare de Paris. C'est là-bas qu'on prend les trains pour aller en Bretagne. Gare Saint-Lazare de Paris. Pas loin. Vous croyez là, si vous n'avez pas les dossiers. Il a acheté une maison là-bas. Et sa maison qui est là-bas, ce n'est pas maison de 100 000 dés. Ce n'est pas maison de 500 000 dés. Ce n'est pas maison de 1 million dés. La valeur de la maison qui est là-bas, je dis bien rue Madrid. Allez-y, sortez dans mon live. Vous allez taper sur Google. Toi, petit Mori Kondé. Toi, Jordan. Toi, Amara. Vous, les haineux là, Idjamil là. Tapez sur votre Google là-bas. Rue Madrid, Paris, rue Madrid. Gare Saint-Lazare. On va vous dire. On va vous montrer que vous n'êtes rien que des Kamerimba haineux, animés de haine. Et nous, on va vous dire ces vérités-là. Vous ne pouvez rien contre les innocents. Des personnes qui ne sont même pas coupables. Des personnes qui ne sont même pas poursuivables. Quand vous allez faire quoi? Où est ce loup? Où est ce loup? Où est Kouyaté? Il est à Conakry. Quand je vais mettre les dossiers là demain, si vous êtes homme, allez-y l'arrêter. Parce que c'est l'argent de la Guinée.
Le fonds extérieur, c'est l'argent de la Guinée. Ce n'est même pas la seule chose d'ailleurs. Les 100 autocars, qui ne se rappelle pas des 100 autocars ici? Les bus que quand Kouyaté est venu là. Les bus quand Kouyaté est venu là. Les 100 autocars. Il est parti payer des 100 autocars, faire la surfacturation sur la Guinée. Les minibus, il est parti acheter ça. Vous savez, les bus Tata là. Bus Tata là, d'origine, c'est indien. Bus Tata là, d'origine, c'est indien. Il est parti acheter des bus Tata d'occasion. Allez-y faire la peinture de ces bus. Nous envoyer cela. Nous dilapider. Non. CNRD. Au footer Miremago. Au footer Miremago. Comme Yalangri. Dépose ça. Donnez-nous l'agrément qui prouve à Mamadi Doumbouya qu'il a le droit de s'imposer sur le peuple de Guinée, qu'il a le droit de poursuivre tout honnête citoyen guinéen qui a servi dans l'administration guinéenne. Tellement que vous êtes animé de haine, vous ne connaissez même pas c'est quoi l'administration ou c'est quoi une personne qui a servi en tant que fonctionnaire dans la fonction publique et les hautes fonctions de l'État. L'État doit le prendre en charge. Même à part de sa pension, les hauts fonctionnaires, c'est quoi? Ce sont les ministres. La seule maison que le monsieur avait, la seule et unique maison qu'il avait, celui qu'il a eu pendant ses services rendus à sa nation, sa seule et unique maison, c'est ça que vous êtes parti, vous avez fait sortir, vous avez parti démolir, faire du maraboutage, et puis vous êtes en train de vous vanter des heures. Vous pensez que ça, c'est un trophée? Vous pensez que ça, c'est un trophée? Des gawas, vous n'êtes que des gawas. Vous pensez que ça, c'est un trophée? Dans un état normal, les hauts fonctionnaires restent dans leur maison éternellement. C'est l'État qui les aide même à avoir leurs dépenses parce qu'ils ont servi leur nation. Otambé, vous allez venir que vous allez berner le peuple de Guinée là, que nous on va rester assis. Vous faites le peuple comme si c'est votre, c'est-à-dire vos maîtresses. Vous jouez comment vous jouez avec vos maîtresses, hein? Versez du miel dans leur oreille, hein? Les 100 autocars, autobus que Kouyaté a envoyé, des faux trucs. Le projet Coton, voilà. Projet Coton. Où on en est? J'ai fait sortir le dossier de Dr. Ousmane Kaba. Où on en est? Projet Coton. Les rapports. Où ça est? Où ça est? Tous les dossiers qui ont été audités en 2009, 10 et les rapports qui ont été rendus en 2011 par l'équipe de Dr. Ousmane Kaba. Tous ces dossiers-là, un à un, one by one, comme on dit en anglais. Vous allez nous présenter les rapports exacts. Vous n'allez jamais, je dis bien, jamais tirer quelques dossiers comme ça. Parmi tous les dossiers, il y a faux projet, projet Coton. C'est Kouyaté qui a la tête. Et tous ceux qui sont à la base, ils sont tous issus de Cancan. Péomouyalangri. Autant bien que les gens de Cancan, vous êtes plus bénis que tous les autres Guinéens. Vous pensez que le pays là, c'est pour vous? Ou vous pensez que vos parents sont mieux que nos parents? Péomouyalangri. Projet de Coton. Ramener projet de Coton dossier à la CRIEF. Projet de fonds cohésien. Prenez, ramenez dossier de projet de fonds cohésien. Amenez à la CRIEF. Tous les projets là, que vous avez dit là, cités là, qui ont été cités par l'équipe de Dr. Ousmane Kaba en 2009, 10 et les rapports qui ont été publiés à l'AGP. L'agence guinéenne de presse. Vous allez tous nous citer les rapports. Vous pensez que ou comme vous pensez que vous êtes plus jeune, patati patata, vous pouvez berner les vieux. Pendant que nous les jeunes, on est là assis, qu'on ne va rien faire, qu'on ne va rien faire. Ou vous pensez que oui, comme le coup du 5 septembre a réussi là, comme du vent, que patati patata, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à ce peuple. Oh, Mouyalangri. Allez-y, vous attaquez à l'Ansara Kouyaté. Il a sa maison à la rue Madrid. J'ai même l'adresse, mais je ne peux pas citer l'adresse là, publiquement, parce que si les gens vont aller attaquer là-bas, je serai responsable. Il a sa maison à la rue Madrid. La maison, la valeur vaut plus de 7 millions d'euros.
7 millions d'euros dans cette zone de Paris. Je dis bien cette zone de Paris, non loin de la gare Saint-Lazare. Le mètre carré, ce n'est pas minimum de 600 000 euros, 400 000, 200 000 euros. Imagine, mètre carré, hein, ce n'est pas minimum de 200 000 euros. Imagine quelqu'un qui part là-bas, je dis bien un mètre carré. Parce qu'en France, on vend le terrain par mètre carré. Vous qui sortez de nulle part, vous faites un petit coup d'état là. Pendant que nous, on était en Europe, vous étiez en galère en Afrique. Donc, nous, on connaît déjà le monde. Et nous, on connaît déjà comment le monde évolue, comment les choses, c'est-à-dire comment les choses marchent. Et vous allez venir ici, que vous allez berner le peuple. Où est ce loup? Où est l'agrément, les justificatifs d'agrément des coalitions des partis politiques? Où est l'agrément de coup d'État? Où est l'agrément? S'il y a l'agrément de coup d'État, ça se trouve dans la main du commandant Ali. Il est à la maison centrale. C'est lui l'agrément du coup d'État. Faites-le sortir. Il va nous dire ce qui s'est passé réellement. Quand il remettait Alpha Condé dans la main du parrain, vous allez dire que quoi? On t'a soutenu ici. On a appelé les gens à te soutenir. On a appelé les gens à sortir pour toi. En contrepartie, tu nous as rendu quoi? Tu nous as pris pour des maboules, que pour des gawas. C'est vous qui êtes gawas. C'est vous qui ne connaissez rien. C'est vous qui ne connaissez rien. Vous pensez que quand on vous a soutenu, qu'on a dansé pour vous là, vous pensez qu'on ne connaissait rien? Hein? Mètre carré, un mètre carré, la zone où la maison de l'ancien Akouyaté se trouve à Paris. Un mètre carré minimum, c'est 200 000 euros. Imaginez quelqu'un qui achète 200 mètres carrés dans cette zone. 200 mètres carrés, on calcule. 200 000 euros fois 200. Ça fait combien? 2 millions d'euros. Vous avez des dossiers? Allez-y prendre des dossiers là. Faites des dossiers là. Laissez notre président en paix. C'est un Guinéen. Il va rentrer dans son pays au moment qu'il voudra. Il a vécu 11 ans avec un régime dictatorial. Il ne s'est jamais reposé. Il a toujours vécu en Guinée. Vous pensez que lui, c'est un faux type? Ou bien vous pensez que lui, c'est un vendeur de rêves? Vous pensez que lui, c'est un vendeur de rêves? Comme vous êtes en train de vendre du rêve aujourd'hui aux Guinéens, à travers des complicités machiavéliques de ses anciens proches, vous pensez que vous allez réussir? Où est l'agrément de Doumbouya? Tous ces faux projets que vous êtes en train de dire, vendre du rêve au peuple de Guinée pour gagner du temps. Vous pensez que le peuple est dupe? Ou bien vous pensez que nous, on va laisser passer tout ça là? Omuyalangi, CNRD, quel est l'agrément qui prouve que vous avez le plein pouvoir pour dire à tout Guinéen de montrer, ouais, il faut venir ici. Des personnes, pères de famille, vous poursuivez Doumbouya parce que Doumbouya veut faire son règlement de compte. Vous poursuivez qui? Gané. Docteur Diané, vous poursuivez Docteur Diané parce que Doumbouya est en train de faire son règlement de compte avec Diané. Tout le peuple de Guinée est au courant que Mamadi Jordan Doumbouya était sur le point d'être arrêté par Docteur Mohamed Diané, l'ancien ministre de la Défense. Tout le peuple de Guinée est au courant. Diané se retrouve en prison parce que le petit a trahi Namori et puis il est devenu président par hasard. Donc du coup, boum, les mains noires qui sont autour de lui, vous qui êtes en train de l'induire dans le truc là, vous êtes en train de lui vendre du rêve. Ouh, tu vas rester. On va se dire ici là. Ici là. Vous qui êtes en train de le remonter sur la tête. Oh, tu peux t'éterniser au pouvoir. Le Guinéen est facile à manipuler. Tu peux t'éterniser. Bande de Kamerimba, regarde le petit Morikonde qui sort. Quel est l'agrément des partis politiques? Quel agrément? Des personnes honnêtes. Vous pensez que des personnes honnêtes peuvent se lever comme ça, dire qu'ils ont créé des coalitions politiques, rendre ça public, faire des déclarations publiques pendant combien de temps? Vous, des bandes de gamins qui ont eu la chance d'avoir un pouvoir qui était déjà dans la rue, qui était déjà mort, qui avait seulement besoin d'avoir une tête. Ce pouvoir d'Alpha Condé avait seulement besoin d'une tête. Mais ce pouvoir-là était déjà mort.
Vous ramassez ça dans la rue, mais vous devez, vous pensez que vous êtes, voilà, vous êtes Dieu. Quand vous allez venir humilier des gens, des personnes honnêtes, après, c'est pour nous dire que ah, les partis politiques de coalition, là, ils ne sont pas en règle. Allez-y, arrêtez Kouyaté. Allez-y, arrêtez Comara. Il a été premier ministre. Allez-y, arrêtez. J'ai des dossiers sous cabinet Comara, votre main noire qui est autour de lui là. Dossier, il a été premier ministre au temps de Dadis. Tellement qu'il avait faim, le gars a été assoiffé de pouvoir. Il faisait même des faux dossiers. Qui n'a pas écouté l'audio de Dadis ici pour dire que je vais dégager votre premier ministre là. Je vais dégager votre premier ministre. Parce qu'il faisait des magouilles comme ce qu'il est en train de faire avec vous aujourd'hui. Vous regardez même sa bouche, sa façon de parler. Vous sentez que c'est un buveur d'argent. C'est un assoiffé d'argent. Allez-y, l'auditer. Sa gouvernance. Allez-y, l'auditer. Hein? Les 9 mois qu'il a fait avec Dadis. Allez-y. Vous avez lutté, non? Kriev. Les procureurs et les juges qui se sont laissés manipuler, rentrer dans cette magouille pour faire des règlements de compte aux gens, vous allez le regretter tout au long de votre vie. Tout au long de votre vie. J'ai dit tout à l'heure dans la journée que Maître Béavoki, c'est un avocat vendu, c'est un businessman. Je le réitère. On a tous vu Fatou ici. Comme je l'ai dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Et j'ai encore vu la vidéo de Maître Béa qui parle. Et dans sa vidéo, il ne parle pas en tant qu'avocat de Seloudé. Il parle en tant qu'avocat de Mamadi Doumbouya. Parce que Koné qui est là-bas, là, c'est son pote. On ne peut pas l'inquiéter. On va vous déstabiliser. Armée guinéenne, si vous ne prenez pas vos responsabilités, des bandes de gamins réunis, Dougoula, Gawa, qui ne connaissent même pas c'est quoi la belle vie, qui vont découvrir le pouvoir qui était déjà mort, qu'ils vont venir faire la loi dans notre pays. Personne ne veut de vous, vous le CNRD. Personne. Vous pensez que les gens ont peur de vous, bah? Vous pensez que les gens ont peur de vous parce que vous vous accaparez des derniers armements que Alpha Condé a achetés, des derniers armements que Alpha Condé a achetés pour faire plaisir à son armée. Vous vous accaparez de tout ça. Vous mettez le titre là sur le dos. Vous montez, vous descendez déguisé. Vous pensez que les gens ont peur de vous? Vous pensez que les gens ont peur de vous? Allez-y auditer, Kouyaté. Demain, je vais vous mettre le dossier. Notre argent. L'argent de la Guinée. Qui était à la banque UBS de Suisse. Depuis au temps de feu Ahmed Sékou Touré. Les trésors, la banque suisse. Wallahi billahi talahi. C'est incroyable. Des milliards, des lingots d'or. Les fonds extérieurs, ça sert à quoi? Quand l'État a des contrats avec des sociétés telles, l'État ne veut pas payer. L'État peut recommander le paiement à la banque suisse. Vous pouvez aller à la banque suisse au nom de l'État guinéen. Vous récupérez l'argent. Votre argent, on vous paye. Et tout notre argent là. Lansana Kouyaté a pris ça en 2007. Il est parti acheter une maison à la rue Madrid de Paris. Une maison qui vaut équivaut à 7 millions, 6 millions d'euros. J'ai voulu ça en francs guinéens. C'est plus cher que l'avion qui a été acheté par Mamadou Sylla. L'air guinéen. L'avion qui a été acheté par Mamadou Sylla. En tout cas. Parti politique, il faut nous dire l'agrément, patati patata, rentrer, sortir comme ça, papa, pourrait. Ni les rouements. Parce que pourquoi? Je risque. Parce que nous, on est des horé. Autre chose, oui, mais mon équipe. Wa kolena ham horé. Ahore a fallu, itanara. Ahore a desse fali, bara a desse fali. Iyare tout mani. Ahore a desse fali négativement. Igoro manalo, isoli manalo. Tuneye donwe. Wo soli mane. Alo tuneye donwe. Wobi. Quand vous allez faire des règlements de compte.
56 milliards, 6 millions d'euros. 56 milliards, 849 millions, 600 000 francs guinéens. 6 millions d'euros. La maison de Kouyaté. 56 milliards. 56 milliards, 849 millions, 600 000 francs guinéens. Allez-y, auditez ça. Allez-y, Krief. Osida, Osana, auditez. Hein? Jordan, allez-y, auditez ton grand, ton main noir. Allez-y. Il est à Conakry. Il ne bouge pas. Quand vous allez arrêter des honnêtes citoyens et vous allez demander l'agrément au parti politique. Omuyalangé. Ou bien vous pensez que. Où est l'agrément de Jordan? L'agrément de Jordan. Hein? Où est l'agrément de Jordan qui prouve qu'il est notre président? Où il est? Où il est? C'est les armes. L'agrément là, c'est l'arme. Quand il marche là, il a peur. Il a l'arme là, ici là. Il marche là, il a peur. C'est son agrément ça. Hein? Demain, je vais vous mettre le dossier, le transfert de notre fonds à la banque UBS. Jusqu'à la Société Générale de Paris. Et il fait sortir l'argent, il achète maison pour lui, il reste là-bas, que c'est lui qui va venir nous faire des beaux discours. Il faut que voilà, les Guinéens, c'est patati. Je ne suis pas en train de faire un dénigrement, je suis en train de dire une réalité. Et cette réalité, quand on demande à faire justice contre des personnes qui ont dilapidé notre pays, il ne faut pas faire de traitement de faveur. Il faut commencer de la base, je dis bien, il faut commencer par la base. La base, c'est qui? 2007, Selou n'était pas Premier ministre. Il avait quitté. Encore! Ça ne finira pas. Le fonds du cinquantenaire, vous balancerez le dossier. Fonds du cinquantenaire, l'argent du cinquantenaire, vous vous rappelez, non? Guinéens et Guinéens. Les petits gamins comme ci, sortis comme ça, là, ils ne connaissent rien. Si vous voulez faire audit, là, on va vous faire sortir dossier ici, 100 000 audits. On va auditer 100 000 audits. On va faire sortir 100 000 audits. Hein? L'argent du cinquantenaire organisé. La Guinée, quand on avait 50 ans. 50 ans, la Guinée, c'est lui qui était Premier ministre. Le fond, là, quand il ne connaissait rien, il était déjà malade. Vous voulez faire audit, non? On va faire audit. On va faire audit. Mais hey, je dis et redis à mes frères et sœurs guinéens de l'armée guinéenne, si vous ne prenez pas vos responsabilités contre ces gamins, c'est le peuple qui rendra justice d'elle-même, de lui-même. Le peuple va rendre justice de lui-même. Prenez la vidéo, vous dites que voilà, que mandat d'arrêt, mandat. Prenez. On s'en fout. On s'en fout. Vous là, on s'en fout. Vous n'êtes que des gamins. De rien du tout. Vous ne pouvez rien changer dans notre pays. C'est le peuple qui n'est pas uni. Le peuple qui n'est pas uni. Hein? Les autres qui sont là, les RPG, qui ont dit qu'on a dansé à cause de parce qu'il y a un coup d'état contre Alpha. C'est vrai, on a dansé. C'est vrai. On le regrette. Mais quand ils ont cassé maison de notre leader, vous avez dansé aussi. Donc, on est à égalité. One. Maintenant, toujours, à cause de vos haines, vous êtes en train de balancer. Vous préférez le régime Buberon à notre président. Parce que vous dites que ah, Selou ne sera jamais président. Selou ne sera jamais président. Alors que, en réalité, mes frères et sœurs guinéens, si c'est Selou Dalin qui était aujourd'hui président, vous pensez qu'il va faire ça à Alpha Condé? Malgré que toute l'humiliation qu'il a fait subir, Alpha Condé a fait subir à Selou Dalin, malgré que tout ce qu'Alpha Condé a fait à Selou Dalin et à tous ses militants, Selou Dalin n'allait jamais humilier Alpha Condé comme ça. Jamais de la vie. Selou Dalin n'allait jamais humilier Alpha Condé comme ça. Et il allait respecter le RPG. Bifouma, mon amour, fouma, go. Bifouma, mon amour, fouma. Les petits Morikonde là, des gamins sortis de nulle part, avec des faux types dans sa courma qui se permet pour raconter du n'importe quoi, qu'ils sont en train de parler au nom du peuple de Guinée. Vous êtes en train de mentir aux Guinéens, que vous êtes en train de parler au nom du peuple de Guinée. Mentir aux Guinéens. Si vous étiez dans la vérité, je serais l'un des premiers à vous soutenir. Parce que j'ai été l'un des premiers à vous soutenir.
Le jour du coup d'État, j'ai été l'un des premiers à faire le live. Moi. Donc à cause de ça là. Moi ramané. Jusqu'à ce que vous ayez de l'insomnie. Vous n'allez pas dormir. Moi ramané. Parce que j'ai gaspillé mon énergie pour vous soutenir. J'ai gaspillé mon temps pour vous soutenir. J'ai gaspillé mon internet pour vous soutenir. Pour appeler les gens à sortir dans les rues pour vous. Et c'est vous qui allez nous raconter des conneries que vous êtes dans l'esprit de vengeance. Il faut rendre à César. Vous pensez que les manipulations là, ça va marcher? Bon, on commence maintenant le vrai show. Tout ceci là, c'était de l'amusement. On commence le vrai show.